pied des volcans auvergnats, à quelques kilomètres de Gergovie, située dans les Puy-de-Dôme, se trouve la commune de Serra. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir durant 7 minutes quelques-unes des places et rues de Serra. La place du Mas et sa belle fontaine construite en 1856 a été restaurée en 1979. Au fond, vers Fontainebleau, Mont Rognon, un ancien dique volcanique qui abrita durant des siècles la forteresse de Mont Rognon, qui fut construite en 1190 par Robert Ier, dauphin d'Auvergne. Par la rue du 11 novembre, nous allons vers la rue de la Varenne et sa chapelle de Notre-Dame de la Miséricorde, construite en 1870. Devant la chapelle, les deux fontaines qui datent de 1854. Les fontaines devenues aujourd'hui ouvrage de décoration, étaient autrefois d'une importance vitale, car elles servaient au ravitaillement en eau potable aux gens et d'abreuvoir aux animaux. La rue a été parfois un lieu de festivité au moment des fêtes du village. La place du Four, appelée aujourd'hui place de l'ancienne mairie, pour avoir abrité jusqu'en 1933 la mairie-école de Serra. La fontaine de la place, datant du XVIIe siècle, fut la première fontaine importante de Serra. Une croix du VIe siècle et surtout le four banal se trouvait aussi sur la place. La place était autrefois le lieu d'animation du village, où l'on dansait et chantait jusqu'au soir pour les festivités. Une des dernières manifestations, un concert donné par les Allemands à l'occasion d'une célébration du jumelage en 1995.
Les cloches sonnent à la volée et la porte de l'église s'ouvre pour nous. L'église de Serra, très ancienne, fut donnée à la cathédrale de Clermont en 976 et agrandie en 1845. L'église, dans sa partie ancienne, possède quelques vestiges d'architecture romaine. L'abbé Contour, à droite, fut le dernier curé de la paroisse en soutane. À son côté, le curé des Bois-Séjour. À droite et à gauche, deux autres ecclésiastiques, amis de l'abbé Contour, qui sont venus pour la célébration des actes religieux de la fête de Saint-Martin. Une visite au clocher, même si c'est peut-être pas le moment à cause des cloches qui sonnent. Le jardin privé des curés qui ont habité dans les presbytères près de l'église a été transformé après le décès de l'abbé Gay, le dernier curé résidant sur place. Cet espace est devenu par la suite un petit jardin public. Avec l'espoir de pouvoir vous montrer bientôt d'autres images de Serra et Bois-Séjour, ces vues du bourg termineront la visite de Serra. À bientôt.